Rotonde de l'Assemblée nationale ce jeudi, la chefferie traditionnelle du Haut-Sassandra invite le chef du Parlement à effectuer une visite dans sa région. Elle remet à Guillaume Soro une autre invitation destinée cette fois au président de la République. Cette délégation, conduite par le ministre Mathieu Babo-Daré, dit l'adhésion du Haut-Sassandra à la vision du président Alassane Ouattara et de son cadet Guillaume Soro. La recevoir pour elle sera donc l'occasion d'évoquer des questions d'ordre national comme la réconciliation et bien sûr celles liées au développement du Haut-Sassandra. On cultive beaucoup, on ne peut pas vendre parce qu'il n'y a pas de route. Tu arrives au village, tu ne peux même pas envoyer une banane à tes enfants qui sont en ville, faute de route. Et dans certaines localités même, l'électricité n'existe pas. Nous avons besoin de toutes ces choses pour effectivement nous sentir dans notre peau. C'est un cri de cœur que nous lançons. Ce qui nous apporte, ça nous fera plaisir. Saluant leur démarche, Guillaume Soro s'est engagé à œuvrer pour une suite favorable à la requête de ses hôtes auprès du chef de l'État. En ce qui le concerne, le président de l'Assemblée nationale promet une visite dans le Haut-Sassandra. Les prochaines rencontres avec la présente délégation, composée d'élus, cadres et autorités coutumières de Daloa, Issia, Vavois et Zoukoubou, les quatre départements de la région, devront permettre d'arrêter le calendrier de cette tournée.